Et il faut que nous disions, Major, c'est lui-même qui t'a entraîné l'armée Jovenel, mettez campé sous pied. C'est un ancien instructeur, il était dans l'ancien armée. Et puis, c'est un gros pet, il dit, pour paysan, il salue tout, départ général Jean-Claude Duperval, qui quittait nous d'après information semaine passée. Hein. Il est dirigé force l'armée d'Haïti FADH après événement 1994, après coup d'État 1991, côté Raoul Cédras, t'es obligé quitter la MIA et quitter pays, hein, et qui t'apprend permettre ouvrir route pour président Jean-Bertrand Aristide, qui passait 3 ans en exil à cause de coup d'État 1991, t'apprend tourner en Haïti. Une autre fois encore, on a entendu docteur Georges Michel, dans micro Beethoven François Fils, sous disparition de anciens officiers supérieurs Sayo dans la mer. Si je te perds un bon ami là, c'est Major Dieudonné, l'enfant de la médaille. Je vais saluer mémoire, monsieur, parce que monsieur son gros officier, un officier vertical, un officier interne qui pas jamais dans ma gueule. Mais donc, on s'est bon pas duré, un citoyen ça, son gros pète que nation enregistré avec l'amour, monsieur, qui vivait hier à peu près de la Kaili. Et monsieur, t'es commandant base militaire de Grécier. Pas que ça le mémoire, monsieur. Son gros officier nous perdu, son gros haïtien nous perdu. Et en pile, moun, bon rapport de passage, monsieur, de profil, comme on est de bon commerce. Ah, si on est de bon commerce, on est de principe, on est qui doit, qui parle ensemble, l'entente. On va entendre non, si t'es là, en rien, sinon que en bien. Et m'ta tout profiter pour un deux mon amour, selon mort et Jean-Claude Duperval. Et Jean-Claude Duperval, c'est un général qui t'est assistant, c'est grâce. Moun que non, le parent de cité là, rien du tout. Tu fais un très bon profil bas, effacé, toujours professionnel, n'est pas occupé à faire moun. Monsieur était fini par assistant Cédras. Il était commandant l'armée à provisoire, le général Cédras était allé. C'est un officier qui n'a pas rien du tout à la Kaili, d'après moun qui connaît, qui était pratiqué. Voilà, c'était Dr. Georges Michel concernant la mort de ancien officier Sayo qui était dans FADH. Et sous le mort général Jean-Claude Duperval qui quittait nous à l'âge 73 ans avec le mort major Dieudonné Louis Saint, nous te parlé tout avec maître Dieunor Alexandre qui c'est secrétaire exécutif pour l'association militaire d'Haïti qui t'a fait quelques considérations tout sur deux personnalités ça qui t'est passé dans la MEA qui t'est fait carrière comme militaire. N'a pas de maître Dieunor Alexandre qui c'est secrétaire exécutif pour l'association militaire d'Haïti et qui c'est tout avocat qui est inscrit dans Barreau, Port-au-Prince, qui te parle comme ça, toujours dans le micro, Beethoven François Fils. Duperval, donc, était un membre de l'association. Donc, monsieur décédé, mon cher, à l'âge de 73 ans. C'est une perte que nous déplorons. Donc, surtout, la condition que monsieur décédé a, parce qu'il avait eu 2 crises cardiaques avant de partir. Donc, jamais, il n'y a pas de jambes gagnées, tant pour régulariser la situation, savoir de démobiliser à retraiter vraiment. Comme état de service, monsieur gradué dans l'école militaire donc, en 1973. Donc, il a été affecté au corps de l'aéroport. Il a été le 4e de sa promotion. Il a été gagné la dame le général Cédras comme major de promotion. Et Guy François comme 2e et colonel Valcé. Et puis après, c'est cadet Duperval qui était le 4e de sa promotion. Il a été chef de service et service des narcotiques en 1989. Après, il a dirigé la police de 1990 jusqu'à février 1991 comme chef de la police métropolitaine de Port-au-Prince. Au cours des élections de 1990 également, il a été membre du comité de coordination pour la sécurité des activités électorales. Et c'est le général Cédras à l'époque qui était colonel, qui était responsable de ce comité-là. Donc, après, il a été nommé assistant commandant-en-chef et nommé élevé au grade de major général depuis le 6 février 1992 jusqu'à 10 octobre 1994. Pendant un court temps, donc après le départ du général Cédras, il avait été commandant-en-chef par intérim du 10 octobre 1994 au 10 novembre 1994. Voilà, c'est un militaire de carrière qui a toujours su faire preuve de discipline et de retenue. Donc, et c'est une qualité qui était toujours le premier état de service, monsieur. Bon, en fait, il reprochait monsieur comme étant, un officier, un militaire qui est un peu lent à l'action, mais c'est peut-être formation, discipline que monsieur Guéo qui fait que poser des actes pour la troupe, donc, ce sont des actes réfléchis. Donc, dans ce sens-là, on est toujours bien sorti, que ce soit au commandant de la police de Port-au-Prince ou bien
comme assistant du commandant-chef ou bien comme chef d'état-major général pour intérim. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps, l'occasion de l'offrir comme modèle mais aux jeunes générations qui n'ont pas connu les officiers de l'armée. Parallèlement, nous apprenons tout le major Louis Saint-Dieudonné. Le major Dieudonné est encore plus jeune, lui, donc... Bon, je n'ai pas tous les éléments d'information sur les conditions de son décès, donc, mais c'est une perte que nous déplorons également parce qu'il est dans une situation de reconstruction de l'armée, donc nous avons besoin surtout de l'expérience des anciens, nous avons besoin de la force physique, de la vigueur, du dynamisme des plus jeunes, mais nous avons surtout besoin de l'expérience des anciens et le major Dieudonné qui a participé aux premières, comment dirais-je, opérations du retour de l'armée, donc nous déplorons d'étant ça et bon, il va prendre le temps pour nous former un officier qui a toute expérience là. Donc, c'est une bagarre et tout, donc profiter pour nous, et nous même inviter et population, la jeunesse, cette jeunesse d'aujourd'hui. Et puis, c'est regarder si on a en plus d'informations sur le rôle, le lien biologique et essayer d'informer davantage sur le lien biologique qui doit exister entre ou armée de service et ou armée professionnelle, entre armée et population. Parce que c'est toujours les jeunes qui vont renouveler les cadres de l'armée. Donc, si on connaît rôle là, saleté, qui rôle pour Tommy Tel de jouer dans l'essence pays, et que rôle que le cas joue pour là, tant au compte au mieux, d'amène pour au moins apporter votre support de citoyen, votre concours de citoyen, votre participation, votre devoir citoyen, ou mieux d'amène pour réaliser l'institution militaire, qui c'est à la vérité et en dernier refuge, c'est une triplée d'ascension sociale, surtout pour les éléments de la classe moyenne, la jeunesse de la classe. Voilà, c'est Maître Geno Alexandre, ancien officier dans l'armée d'Haïti FADH, qui est secrétaire exécutif association militaire d'Haïti et avocat inscrit dans Barreau Port-au-Prince, qui a parlé de deux officiers saillants dans l'armée de officiers supérieurs qui quittaient nous et qui mourit, général Jean-Claude Duperval, qui était dirigé l'armée, qui quittait dans l'âge 73 ans, et puis major et Louis Saint-Dieudonné, qui quittait nous tous, et d'après une question, Beethoven François Fils. Donc, c'est l'occasion pour nous présenter condoléances, nous, dans nom toute équipe Radio Kiskeya, by famille, et by proche, et tout allié de anciens hauts gradés, ça, dans ancien l'armée FADH. Concernant coronavirus, non, c'est avis numéro 54, il y a information qui gagne deux jours. Ministère de Santé publique avec population informée, il y a 93 nouveaux cas qui confirmés avec un nouveau cas, monde qui mourit en bas COVID-19, dans la date 23 mai et 2020, qui donc samedi dans le pays d'Haïti, ça qui baille en tout 958 cas qui confirmés, là il y a 909 qui actifs, il y a 22 monde qui guéri et il y a 27 monde qui mourit. Donc c'est notre ministère santé publique avec population porte signature docteur Marie Greta Wa Clément, ministre santé publique avec population. Concernant décret gouvernement sortien, pas gagné analyse jusqu'à présent de aucun juriste. Ni tout opposition ni organisation qui a défendu droit moun dans ça qui concernait de éventuelles violations et droit à liberté publique yo abus et que pouvoir capable faire dans décret ça les que li reconduit état d'urgence pour 2 mois et parce que là n'a regardé ça qui a passé l'autre côté sous planète là des côtés c'est 2 semaines renouvelable devant parlement pas rien ça et puis pas un consensus national c'est pas une décision qui prend côté consulter opposition ni société civile et pas rien bagarre comme ça et donc normalement tu as supposé une réaction divers segments dans société a et qui doit veiller sous qu'on lettre yo mettez sous du feu et toute tentative violation droit moun et tout abus que pouvoir gain droit à profiter pour le faire par exemple gain un article qui doit interpeller tout le monde là nous connaît Haïti c'est famille nombreuse dit non seulement petit ou fait avec madame avec monsieur avec mari ou bien mari avec madame avec monsieur c'est pas une famille nucléaire famille haïtienne c'est une famille élargie toujours un paquet monde dans caill là et cousins mon cap travail amis mon qui sorti en province et puis tout de coup 5 monde pas ca réuni
Et si on veut faire abus, non, ça y a fait en pile. Là, nous connaissons qui gens architecture sociale là y est. Pour nous pas parler de deux grains, nous n'a parlé de majorité peuple haïtien qui vivent dans pile promiscuité. Côté que non seul chambre, où on doit jouer 6, 7, 8 mouns qui dorment, non seul bout de caille, où on doit jouer 10 mouns. Bon, mouns, ça y est pour continuer, font rassemblement qui a multiplié par deux le nombre de mouns qui a trouvé en contravention avec la loi. C'est pas réaliste. C'est tout simplement qui pas cadré à la situation pays. Au contraire, qui s'en noie, et dans l'autre pays, il a diminué la mesure. Au contraire, il a augmenté la valeur des gens qui sont capables de faire réunion. Parce que là, il y a une tendance. Il y a une façon pour empêcher manifestation. Il y a une façon pour empêcher contestation. Il y a un groupe qui a réuni, il a respecté toutes les règles, avec masse dans la figure, et distance, tout le bagage, ça a fait manifestation. Au contraire, il y a un groupe qui a réuni, 5 personnes qui ont réuni, et puis clap, clap, il y a un groupe qui a arrêté. Et en plus de ça, tout, nous avons tout d'un coup, ou gagner mairie, pratiquement, pas gagner quel moyen l'État pour fonctionner. Et puis, soi-disant, tu as transféré de pouvoir énorme. Côté pour mettre en application série de mesures et amende, et puis avec un service d'utilité publique que nous avons pour faire. Alors, est-ce que ça, c'est une pratique que nous gagnons? Est-ce que nous avons une loi qui prévoit? Est-ce que ça entraîne en pratique et qui existait dans mes rios? Je vais demander pour inventer, pour improviser. Depuis qui l'a été qu'on fait ça en Haïti? Donc tout pareil, ça paraît de pareil qui copier-coller. Donc tout ça mérite de gros débats. Nous étonnés pour nous pour qu'on gagne une position qui prend sous sa main. Quand même, gagne président APCH dans changer MEU et qui a réagi sous décret Jovenel Moïse à gouvernement de facto là et prend semaine passée pour le bail tête li 2 mois et de état d'urgence dans non combat li dit la mener contre coronavirus. Il fait qu'on ait décret ça capable de boucher n'a cité sur un éclatement ou bien sur une guerre civile. Syndicaliste rete quoi président bay tête li raison, l'elle t'est crasé parlement dans date 13 janvier, l'elle t'est coupé mandat 9 sénateurs pour te rendre sénat et pas opérationnel pour te capable river bay tête li tout pouvoir mener nous côté nous hier journée jodi a, c'est lui-même qui met, c'est lui-même qui seigneur qui fait ça le. D'après président Jovenel Moïse, toujours selon syndicat Change MEI, il dit pour lui-même, il croit gagner un lot bagaille qui des têtes équipe qui sous pouvoir, particulièrement président, équipe a dit, il pensait que c'est ou libre il prend sous coronavirus là pour régler l'autre affaire. N'attendez syndicat Change MEI qui te parler comme ça dans micro Amos Breville. Pourquoi c'est seul animal qui qu'on agit par exemple? Mais nous, par rapport à ces dépositions, gouvernement, ça prend nous, elle va gagner comme conseiller, même, il a gagné mon avis. Comment vous comprenez pour 10 mots? On dit pas plus que 5 mots. 10 mots, on a un problème pour leur dire 5 mots. En famille, il y a 10 mots la Cali. Comment l'a fait? Il y a 6, la porte, tout le monde, ça l'a pour rejeter. Le gouvernement dit 5 mots. On décret. Constitution, on dit loi pour loi pour secteur, faut qu'il t'assemble avec lui. Ça, c'est pas tout là, on connaît. Président, on a parlé de la raconte tout le bagaille. Mais conseiller, quand même, on ne sait pas si t'as aidé. Mais au moins, il puisse conduire en erreur, en erreur. Comment vous comprenez pour un décret? Pour dire, depuis le premier décret, qu'on ouvre 5 pour 8 ans, il y a un problème. Mais qu'on est là, on ne tenir compte des blocus qui sont dans Matissan. Avant là, on se fait Aïne, il se fait une station au CAI. Il va à l'OCAI. C'est Aïne du matin, il arrive au CAI. Il fait tout le temps là sur le CAFOA, le blocus. Et il y a un paquet de le lagué, même si tu es lagué 3-4 ans, pas arrivé à la CAI. C'est après 8 ans qu'il arrive. Tellement, il n'est pas tenu compte de tout le monde. Nous-mêmes, nous avons un décret, nous mettons du haut, nous garantissons pour auditer la radio qui se crée, il va l'entrer décret. Parce qu'il va câbler. Là, là, pas possible. Là, l'État a dit, bon, l'État a caché machine de babounio, ou on est comme on croise, bon, on dit, mais combien de beauté. Machine de babounio, gaz, chauffeur, même, l'argent, il va manger, il va manger, machine va payer. Qui ça, l'État, chita, avec secteur transport pour discuter ensemble avec nous? Nous-mêmes, nous te faisons valer par nous déjà, quand nous te diminuons mon nombre de machines, mais jusqu'à présent, l'État n'a pas tenu compte de ça, non? Quand on a l'année qui était la pointe d'écran, machine va être privée, nous, il va aller caché, bon, non? Si l'État a compté pour le porter tout chauffeur, à toute propriété pour l'occuper, nous, non, mais on a plus de journée, on a campé machine, parce que c'est qu'on est, par contre, qui a voulu faire pour camper pays, on vient à décret ça pour. Quel plus problème? Et, il va créer un groupe civil dans le pays. C'est un grand groupe, je vais vous pas oublier. Les policiers, même pas, ils vont faire des cas appliqués et des cas pas appliqués. On va voir qui ça va déboucher là. Et parce que vous n'avez pas pensé, si vous avez pensé tout le monde, par contre, vous avez réagi. Parce que décret en lui-même, ils sont problème. Vous avez forcé la police pour faire des cas. C'est que vous avez mis un gars là. Je dis même si la police ne peut pas avoir une uniforme, même lui, il va dans la rue. Quand il y a le policier civil là, il va accepter la vie, il va arrêter le concert.